C'est sur une grossesse de 6 mois environ. Crise algique en rapport avec une infection de points, paludisme, une interrogation. Chaque année dans le monde, le paludisme fait des ravages. Plus de 200 millions de malades en 2010, près de 1 million de morts. Principalement des enfants et des femmes enceintes. La forme la plus grave, le paludisme neurologique, provoque de fortes fièvres, des convulsions, plonge dans le coma et parfois la mort. En Afrique, le paludisme ou malaria tue un enfant chaque minute. Un véritable fléau sanitaire véhiculé par un moustique singulier, l'anophèle. Depuis plus de 50 ans, des chercheurs du monde entier tentent de mettre au point un vaccin pour prévenir cette maladie. Mais le parasite du paludisme est d'une complexité redoutable, insaisissable. Aujourd'hui, pourtant, un vent d'espoir semble enfin se lever. Près de 60 candidats vaccins sont à l'étude dans le monde. L'un d'entre eux est en tête de course. Son nom de code, le RTSS. C'est le seul en phase 3 d'essais cliniques. La dernière étape avant la commercialisation pour vérifier à grande échelle l'efficacité du vaccin. Les essais sont gigantesques. Plus de 15 000 enfants testés dans 7 pays africains. À l'automne 2011, c'est aux États-Unis que les premiers résultats du RTSS sont révélés. Car le vaccin est développé par le géant britannique GlaxoSmithKline, GSK, et par la fondation Bill et Melinda Gates, basée à Seattle. Today I'm pleased to announce the interim results from the phase 3 trial of the RTSS vaccine. It prevented severe malaria in 47% of the trial participants aged 5 to 17 months. If RTSS continues to show a long-term effect, then it has the potential to protect millions of children and save thousands of lives. Les premiers résultats du RTSS ne sont pas annoncés par un chercheur, mais par un entrepreneur, Bill Gates. Le fondateur du géant de l'informatique Microsoft est devenu aujourd'hui le grand argentier de la santé mondiale. Son rêve ? Éradiquer le paludisme de la surface de la planète, trouver un vaccin. Sa fondation, la plus riche au monde, a investi 200 millions de dollars dans le développement du RTSS, en plus des 300 millions du laboratoire GSK. La prochaine série de résultats concernant le groupe des nourrissons est programmée fin 2012. Si le RTSS était un jour commercialisé, ce serait une double première scientifique. Le premier vaccin au monde contre le paludisme et le premier contre une maladie parasitaire. Il y a une telle mise en scène que c'est très difficile de dire si véritablement on a affaire à un tournant ou pas. De toute façon, il faudra que les résultats soient confirmés. C'est la première fois qu'on atteint ce niveau. Donc il faut être très content, vraiment célébrer ce qui se passe, mais dire c'est pas fini. Nous espérons vraiment à MSF que ce vaccin n'est pas survendu et que l'on n'exagère pas son efficacité. Le RTSS est-il le bon vaccin pour vaincre le paludisme? Ou bien court-on vers un nouvel échec? C'est en Afrique que se trouvent les réponses, sur le terrain des essais cliniques. L'inventeur du candidat vaccin, le docteur Joe Cohen, visite régulièrement les 11 sites d'essais africains. En février 2012, il se rend avec son collègue belge Johan Wekmans au Burkina Faso, un petit pays d'Afrique de l'Ouest parmi les plus pauvres de la planète. Les chercheurs doivent bientôt injecter au groupe des nourrissons la dose de rappel du vaccin au centre médical Saint-Camille de Nanoro. Bonjour. Thomas, bonne arrivée. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. On est content de vous voir ici. Content parce qu'ils veulent évaluer toutes les possibilités. Pour l'équipe du RTSS, il faut vérifier les moindres détails pour que l'essai se déroule de manière optimale et ne remette pas en cause près de 30 ans d'efforts de recherche.
Les scientifiques doivent s'assurer qu'il n'y a pas eu de rupture de la sacro-sainte chaîne du froid et que les doses de vaccins sont conservées à bonne température, entre 2 et 8 degrés Celsius. Vous n'avez jamais eu de déviation de température conséquente? Si, si, c'était lors de la toute première livraison de vaccins. En fait, on a laissé le frigo ouvert trop longtemps. C'était juste ça. Et alors, vous avez perdu des vaccins? Non. Le vaccin tolère des petites variations de température. On peut ouvrir la porte du frigo d'un vaccin. Mais s'il y a le moindre doute sur les spécifications, alors on n'utilise pas le vaccin. Oui. Pour le moment, on n'a pas de souci. Je vérifie simplement pour voir si vous n'avez pas d'autres vaccins que le nôtre ici. Non, on n'a pas d'autres vaccins. Non. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite avant l'enregistrement du vaccin. Et voilà, nous sommes tous très, très excités. C'est dans l'endroit où tous les moustiques se baladent ici, donc, c'est ça? On a la visite de... Bonjour, poète. Personnellement, j'ai commencé à travailler sur ce vaccin-là en 1987, donc 25 ans à peu près. J'ai tenu le coup et j'ai persisté avec tous mes collègues. Au départ, c'était une collaboration entre GSK et les chercheurs de l'armée américaine. Leur intérêt, c'était de développer un vaccin pour leurs troupes. Notre intérêt, c'était d'essayer de développer un vaccin qui pourrait être utilisé en Afrique, mais aussi, si c'était possible, chez les voyageurs. Mais très rapidement, nous nous sommes rendus compte que le vaccin allait être très difficile à développer. Pour les chercheurs, mettre au point un vaccin implique d'identifier une molécule de l'agent infectieux qui permettra d'éduquer le système immunitaire, de lui apprendre à se défendre. Mais dans le cas du paludisme, la tâche est extrêmement difficile, car cette maladie est causée par un parasite, un organisme vivant très complexe qui se nourrit et se reproduit aux dépens d'autres organismes. Le parasite Plasmodium falciparum, véhiculé par la femelle du moustique Anopheles, change de forme, d'expression génétique à chaque étape de son cycle de vie. C'est l'espèce la plus meurtrière pour l'homme. Lorsqu'un moustique infecté pique un être humain pour se nourrir de son sang, il lui transmet des parasites qui vont migrer en moins d'une heure vers le foie. C'est la première étape de reproduction du parasite chez l'homme, la phase hépatique. C'est cette phase que cible le vaccin RTSS. Les parasites envahissent des cellules du foie et s'y multiplient d'une manière très intense, en 5 à 10 jours. Des milliers de nouveaux parasites sont libérés dans le sang. Commence alors la deuxième étape de reproduction, la phase sanguine. Les parasites envahissent des globules rouges, puis ils s'y multiplient en 1 à 3 jours. Le globule rouge finit par éclater et libère de nouveaux parasites dans le sang, ce qui provoque une obstruction des vaisseaux capillaires qui alimentent les organes vitaux. C'est ce qui déclenche les symptômes de la maladie et parfois la mort. Tous les parasites ont développé des mécanismes d'échappement au système immunitaire, que ce soit en se réfugiant à l'intérieur des cellules ou en variant leur manteau antigénique de surface très fréquemment, qui fait qu'il est très difficile de les attaquer avec des stratégies de vaccination. Vous connaissez tous les défis qui existent. Le pathogène est un parasite, un eucaryote, qui existe depuis, semble-t-il, 200 millions d'années, donc il y a eu le temps de s'adapter et de développer des mécanismes pour échapper aux réponses immunes. Donc pour notre vaccin contre le palu, nous avons sélectionné une protéine qui s'appelle la circumsporozoite protein, ou la CSP, qui était connue pour être, dans les modèles animaux, protectrice. Et nous l'avons fusionnée à une protéine du virus de l'hépatite B. L'idée, c'était de faire des particules, parce que les particules, ça ressemble à un pathogène. Donc pour le système immunitaire, ça ressemble à quelque chose qui sonne la sonnette d'alarme. Dans quelques jours, le groupe des nourrissons recevra la dose de rappel. Le RTSS tiendra-t-il ses promesses? Sera-t-il le premier vaccin à réussir à surmonter la complexité du parasite? Des chercheurs du monde entier s'efforcent de trouver la solution.
Et c'est à Bogota que se trouve l'un des pionniers, à l'Institut d'immunologie de Colombie. Depuis 32 ans, le docteur Manuel Patarroyo tente de mettre au point un vaccin contre le paludisme, dont la découverte serait, selon lui, aussi historique que celle du vaccin contre la rage. Lui, c'est Louis Pasteur. C'est mon idole. Depuis l'âge de 9 ans, lorsque j'ai lu une bande dessinée intitulée « Louis Pasteur, découvreur de vaccins, bienfaiteur de l'humanité ». Et la fonction des idoles, c'est de fixer un niveau, de sorte que ceux qui viennent derrière essayent de le dépasser. Voici toutes les molécules du parasite du paludisme. Parmi ces molécules, on identifie quel est le fragment avec lequel il se colle ou adhère au globule rouge ou à la cellule hépatique. Donc, en connaissant la structure chimique de ce fragment, nous savons alors ce qu'il faut fabriquer. Puis, ce qui se passe, on synthétise la protéine en grande quantité. Ça, c'est mon précédent vaccin, le SPF 66. En 1987, le docteur Patarroyo soulève un immense espoir en annonçant avoir mis au point le SPF 66, le premier vaccin synthétique contre le paludisme. Il publie alors les premiers résultats d'essais cliniques sur l'homme, réalisés avec un petit groupe de volontaires. En 87 et en 88, c'est les deux premiers articles dans Nature où il a fait une entrée fracassante. En disant, voilà, il y a plus, mon vaccin est efficace à plus de 80%. Finalement, j'ai trouvé la solution. Quoi. J'étais en Afrique et c'était pour moi une grande bombe. On se disait, ah, enfin. C'est à Laetitia, tout au sud de la Colombie, que le docteur Patarroyo mène ses recherches expérimentales. Car la forêt amazonienne abrite une espèce très précieuse pour la lutte contre le paludisme. Les singes Aotus. Mira-la. L'avantage de ce singe, c'est que son système immunitaire est pratiquement identique à celui des hommes. C'est pourquoi il est très utile pour étudier le paludisme comme toute autre maladie infectieuse. C'est dans ce laboratoire, qui était à l'époque très très petit, que le 26 janvier 1986, nous avons découvert le SPF 66. Ça n'a pas seulement été le premier vaccin synthétique, mais aussi le premier vaccin multistade qui agit au niveau du foie et au niveau du globule rouge. Là, nous avons constaté que le SPF 66 protégeait entre 30 et 50% des singes. Ce que nous avons fait ensuite, ce sont les essais cliniques sur l'homme. En Tanzanie, l'efficacité a été très encourageante. 31% de protection. Malheureusement, ces résultats publiés en 1994 ne sont pas confirmés par la suite. De nouveaux essais cliniques sont réalisés en Gambie, puis en Thaïlande, cette fois par d'autres chercheurs anglo-saxons. L'efficacité du candidat vaccin apparaît finalement faible, voire nulle. L'espoir du SPF 66 s'envole. Les gens le regardaient d'un air de dire d'où il sort, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Et je crois que, bon, c'était peut-être aussi pas une très bonne piste, mais il avait essayé. Ça s'est avéré un peu prématuré comme cri de victoire. Et aujourd'hui, les gens sont forcément beaucoup plus prudents.
Depuis 50 ans, la recherche d'un vaccin contre le paludisme est une longue succession de frustrations, d'essais cliniques avortés, de déceptions à répétition. Et pourtant, les chercheurs n'ont jamais renoncé à découvrir le Graal. Pour l'équipe du RTSS, en tête de course, il faut aujourd'hui administrer une dose de rappel du vaccin, 18 mois après les premières injections. Une centaine de personnes sont mobilisées. La logistique est impressionnante, digne d'une campagne militaire. Les véhicules du projet vont chercher dans les villages les mères et leurs bébés pour les conduire à l'unité de recherche clinique. Au Burkina Faso, 1281 enfants, très exactement, ont été sélectionnés pour participer aux essais. Leurs parents, eux, doivent signer un document dit de consentement éclairé. Avant d'enrôler les femmes et leurs enfants, il faut consentir. Et là, le consentement consiste à expliquer aux femmes les tenants et les aboutissants de cette étude. Et donc nous avons conçu des vidéos en langue nationale pour prendre en compte le fait que ces femmes sont illettrées. Bangarba et pas ma wewati pour vaccin. Imi metu wewa, kerbon de metu ko. Ya ban nam ne bousko. La bangarba pas ma a vaccin. Ndate un type mak ngisi. Voilà. Comme dans les 10 autres centres d'essai du RTSS en Afrique, les enfants sont répartis en deux groupes. RTSS, cuisse gauche. Chez les jeunes enfants, le vaccin a été administré seul. Chez les nourrissons, âgés de 6 à 12 semaines, au moment de la première injection, le vaccin est co-administré avec ceux du programme élargi de vaccination. FRX, deltoïde droit. Les vaccins pédiatriques recommandés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a évidemment l'objectif d'avoir un vaccin qui soit aussi compatible avec les vaccins qui sont donnés de routine aux enfants en Afrique et dans les régions endémiques. Diphtérie, tétanos, polio, etc. etc. Okay? De manière à pouvoir implémenter ce vaccin par le même canal, si vous voulez, la même route que les vaccins du programme étendu de vaccination de l'OMS. En fait, c'est un paquet minimum de vaccination qu'on doit faire à l'enfant dès sa naissance jusqu'à un certain âge. Donc, ce paquet minimum contient plusieurs vaccins. Et comme ces vaccins sont obligatoires et déjà mis en place dans ces pays, nous pensons qu'en passant par le créneau, par le même créneau, nous pouvons toucher le maximum d'enfants. Vous êtes impatient? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est impatient. Je dis, moi. À Genève, l'Organisation mondiale de la santé a adopté une feuille de route. Son objectif? Faire enregistrer d'ici à 2015 un vaccin de première génération ayant une efficacité de 50% contre le paludisme grave et durant plus de un an. Un groupe d'experts est chargé de suivre les essais du RTSS. À l'heure actuelle, nous ne savons pas combien de temps cette protection va durer, si elle fonctionne dans tous les sites d'essais de la même façon. Et nous n'avons pas encore toutes les données sur la sécurité du vaccin. Donc nous n'avons pas toutes les informations pour prendre une décision de santé publique relative à ce vaccin de première génération. Nous devons attendre de voir et regarder ces résultats. Je ne pense pas qu'il soit utile de spéculer à ce stade. Si l'efficacité du RTSS est inférieure à 50%, l'OMS va-t-elle accepter de l'homologuer? Ne risque-t-elle pas de subir des pressions? L'économiste German Velasquez a pendant longtemps dirigé le programme d'action pour les médicaments de l'OMS. En 2010, il a quitté l'organisation après avoir dénoncé à de nombreuses reprises le manque d'indépendance de ses décisions.
Toutes les décisions, malheureusement, qui sont prises à l'OMS aujourd'hui ne sont pas des décisions purement techniques. Elles contiennent de plus en plus des considérations d'ordre politique, d'ordre industriel et très souvent d'ordre économique. Elle est devenue une organisation qui est en grande partie entre les mains du secteur privé. Jusqu'à il y a 7 ans environ, 51% du budget de l'OMS provenait des contributions publiques des pays membres. Aujourd'hui, plus de 80% du budget provient de contributions privées, et parfois publiques, mais pour des projets spécifiques. De telle sorte que la fixation des priorités échappe en grande partie non seulement à la direction générale de l'OMS, mais aussi aux organes de gouvernement que sont l'Assemblée mondiale de la santé et le Conseil exécutif. I am now very pleased to welcome, on behalf of the Health Assembly, Mr. Bill Gates, co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation. Au printemps 2011, Bill Gates est l'un des invités vedettes de l'Assemblée mondiale de la santé, l'organe législatif de l'OMS qui rassemble une fois par an les représentants des 193 États membres. Il est rare qu'un entrepreneur privé s'exprime ainsi à la tribune. Mais la Fondation Gates est devenue le deuxième contributeur des programmes de l'OMS, juste après le gouvernement américain. I know as a leader of a health ministry, you have a very difficult job. You have many different issues, all of which are relate to life and death. But I do believe that as you look at your priorities, running the immunization system well will emerge as something very, very important. Vaccines are an extremely elegant technology. They can be expensive, they are easy to deliver, and they can provide lifelong protection from disease. At Microsoft, we dreamed about powerful and simple technologies. Well, vaccines are such a technology, so they're one of the best investments we can make. Monsieur Gates insiste sur le fait qu'il n'influence pas les décisions politiques de l'OMS. C'est faux. Dans la mesure où lorsque Monsieur Gates dit « je donne de l'argent pour ça et pas pour ça », il définit les priorités. Parce que demain, l'OMS n'aura pas d'argent pour investir dans telle ou telle maladie, mais seulement dans celle pour laquelle elle aura de l'argent. L'argent que lui aura donné la Fondation Gates. C'est en janvier 2000 que Bill Gates a créé sa fondation, alors que le ministère américain de la Justice a ouvert un procès antitrust à l'encontre de Microsoft. Le géant de l'informatique est accusé d'utiliser sa situation de quasi-monopole pour éliminer ses concurrents. Microsoft, the most powerful and successful company of the new age, accused of using and abusing its power illegally. It's a ruling that could affect Bill Gates, the man behind Microsoft, the richest man in the world. Lors de sa déposition devant le représentant du ministère de la Justice, Bill Gates n'apparaît plus comme un héros américain, un génie de l'informatique, mais comme un homme fuyant et de très mauvaise foi. In America, no person and no company is above the law. Dans l'opinion publique, l'image de Bill Gates vacille, et avec elle, le cours de l'action Microsoft et sa fortune personnelle. Le milliardaire américain se transforme alors en bon samaritain. Il parcourt avec sa femme les pays pauvres de la planète et redore son image, comme celle de Microsoft. Bill Gates a officiellement abandonné la direction générale du groupe, mais en réalité, il en est toujours le président et le principal actionnaire individuel. L'homme qui voulait dominer le monde avec ses logiciels ne cesse de projeter une nouvelle image, celle du plus grand philanthrope de la planète, voire de l'histoire. La Fondation Gates, c'est le clone absolu de la Fondation Rockefeller. La Fondation Rockefeller a été fondée en 1913 pour mettre un terme à l'hostilité des Américains et du Congrès contre la Standard Oil, qui était accusée de faire des profits illicites en s'appropriant des terres, etc., et surtout en polluant une partie du paysage américain. On appelait ces grandes entreprises financières les barons voleurs à l'époque. Pour Gates, c'est exactement la même chose. On a une grande entreprise qui devient insupportable à tout le monde à cause de sa position dominante. Et à ce moment-là, le seul moyen aux États-Unis pour mettre un terme
aux attaques et à l'hostilité qui environnent cette entreprise, c'est de créer une fondation prestigieuse et une fondation de type totalement philanthropique. Et la santé publique, c'est le terrain rêvé pour cela. Personne aujourd'hui ne se souvient plus de ce procès intenté à Bill Gates. Tout le monde ne parle que de sa fondation. Depuis, c'est une idole. He's one of the great businessmen of our time, and he's certainly the greatest philanthropist of our age. Ladies and gentlemen, Bill Gates. Thank you. I believe that someday in the future, all people, no matter where they are born, will be able to lead a healthy life. Loin de la force de frappe de Bill Gates et de GSK, certains scientifiques suivent d'autres pistes de recherche que le RTSS et tentent de le rattraper. Vous avez d'assez jolies gîtes à l'EFEL. Le Français Pierre Druil, qui a longtemps dirigé le laboratoire de parasitologie de l'Institut Pasteur, a inventé un autre candidat vaccin, le MSP3. Il le teste au Mali avec le docteur Ogobara Dumbo, l'une des grandes figures africaines de la recherche contre le paludisme. Je voudrais d'abord qu'on leur transmette notre connaissance chaleureuse pour la participation de toute la population du village. Avec nos excuses, peut-être s'il y a eu parfois trop de prélèvements qui ont été infligés aux enfants, c'était pour mieux analyser le produit qui a été utilisé. Contrairement au RTSS qui cible la phase hépatique de l'infection, le MSP3 vise la phase sanguine. Il cherche à détruire le parasite lorsqu'il se trouve dans le sang et qu'il déclenche les symptômes de la maladie. C'est cette phase qui intéresse le docteur Druilka. Sa stratégie a été d'étudier les personnes qui ont acquis avec l'âge une immunité naturelle contre le parasite, après y avoir été régulièrement exposées durant leur enfance. Sur 1 milliard de gens hébergeant le parasite, il n'y en a que, si j'ose dire, 1 million ou 2 qui décèdent. Donc en fait, il y a 99,9% des gens impaludés qui survivent. Et donc ces gens-là développent malgré tout, si vous voulez, une réponse protectrice progressivement qui les protège. Et c'est cette particularité qu'on a utilisée. Il s'agit seulement de comprendre comment l'individu acquiert cette protection et de voir comment le reproduire. Il s'agit en fait, beaucoup plus simplement, d'amener un enfant de 1 an au statut d'un adulte de 20 ans par 1, 2 ou 3 injections vaccinales. Donc on a fait une expérience clinique de transfert des anticorps de sujets adultes africains protégés chez des enfants impaludés. Et cette expérience nous a permis d'identifier un mécanisme de défense qui n'avait pas été identifié précédemment. Et grâce à ce mécanisme, on a pu identifier la molécule cible MSP3, c'est-à-dire le vaccin. En tant que développeur de vaccins, je suis à ma 12e procédure de tester un candidat. Donc j'ai vu tous les candidats. Et nous avons jugé, nous les Maliens, que Pierre avait ici un candidat dont le mécanisme nous intéressait et qui était assez particulier par rapport aux autres. Donc nous avons mis en place un système de développement clinique qui l'a convaincu. Les premiers essais cliniques du MSP3 ont commencé en 2000. La phase 1 a permis de vérifier la sécurité du vaccin sur un petit groupe d'enfants. Mais désormais, il faut passer le cap de la phase 2, vérifier son efficacité sur un groupe de taille plus importante. Depuis 2011, 800 enfants sont testés au Mali, dans 2 sites différents. Les pédiatres du programme suivent en permanence leur état de santé pour permettre ensuite aux chercheurs de déterminer si le candidat vaccin a réduit ou non les crises de paludisme. Lorsque les pédiatres soupçonnent un cas de paludisme, ils réalisent systématiquement une goutte épaisse. Un petit prélèvement sanguin que les chercheurs examinent ensuite pour déterminer si le parasite est présent ou non dans le sang.
Tu peux le montrer si tu as des cas. J'ai des parasites dans ce champ-là. C'est du placement falsi. Ah oui, ils sont très jolis. Le MSP3 représente-t-il une piste de recherche plus prometteuse que le RTSS? En août 2012, les essais cliniques au Mali ont commencé depuis un an et doivent livrer leurs premiers résultats. La base de données a été analysée par le biostatisticien anglais Paul Milligan. Mais à mi-parcours, les résultats sont intrigants. It looks as if the vaccine in one of the sites is reducing the number of malaria episodes by about 40%, which is quite a substantial effect. But in the other site, which is epidemiologically rather different, we don't see any evidence of protection at all. And so that is quite puzzling. En fait, c'est un peu comme une enquête policière, si vous voulez. Donc là, il faut qu'on dépiste les détails qui nous manquent sur un des deux villages. Sur un village, c'est clair, mais sur l'autre village, il nous manque des renseignements. Et donc, on va les demander aux investigateurs maliens. Pierre Druil semble inquiet. Il vient de quitter l'Institut Pasteur et de créer son propre laboratoire, Vac4All, afin de poursuivre ses essais. Le développement du MSP3 a coûté jusque-là environ 3 millions d'euros, financé principalement par des fonds publics européens. Si les résultats définitifs ne sont pas bons, cela va l'handicaper dans sa future recherche de financement. Il doit trouver une explication et corriger le tir. Le temps auquel on inocule l'antigène vaccinal est important. Et on se rend compte que si vous arrivez en pleine transmission autour du mois de juin, où l'enfant a été exposé à une quantité importante de populations parasitaires, la valeur ajoutée attendue n'est pas la même. Donc la fatigue populations lymphocytaires est le cas. Oui, et on n'a pas pu les stimuler comme un sportif qui a une accumulation d'acide lactique. Il faut un peu de repos pour le booster. Si nous arrivons à inoculer les 3 doses entre janvier, février et mars, par exemple, avant la saison de transmission, on aura la même efficacité. On est d'accord. Excellent. Bon, un vaccin idéal devrait être indépendant de tous les facteurs et pouvoir fonctionner dans toutes les circonstances. Les choses sont maintenant extrêmement claires. On est parti avec la formulation qui est vraiment la plus simple de toutes, c'est-à-dire un très petit polypeptide fabriqué de façon synthétique, 90 acides aminés, c'est extrêmement petit, avec l'adjuvant le plus commun qui existe, qui est l'hydroxyde d'aluminium. Et maintenant, il y a 10 000 possibilités biotechnologiques pour améliorer les réponses, que ce soit des combinaisons d'antigènes, des conjugaisons avec d'autres protéines. Combiner le MSP3 avec une autre protéine pour obtenir une meilleure protection contre le paludisme. C'est la stratégie que suit un autre candidat vaccin, le GMZ2, mis au point par un chercheur danois et testé à quelques centaines de kilomètres de là, à Banfora, au sud du Burkina Faso. C'est le petit frère, j'allais dire le grand frère. En fait, le MSP3, c'est une des composantes du GMZ2. C'est deux protéines stables, ce qui augmente encore plus les chances parce que c'est des anticorps qui sont dirigés contre deux parties du même parasite. Bonjour tout le monde. J'étais à Genève hier avec le comité technique de l'OMS. L'idée était donc de présenter l'état d'avancement donc, de cette recherche sur GMZ2. Et ils sont tous impatients donc, de voir les résultats. Comme nous d'ailleurs. Ouais. Voilà. Dans la course au vaccin, le GMZ2 est devenu aujourd'hui le deuxième candidat le plus avancé. Depuis 2010, il est en phase 2 d'essais cliniques sur près de 2000 enfants dans 4 pays africains. Financé par l'Europe, les essais ont coûté jusque-là un peu moins de 10 millions d'euros. On est très loin des 500 millions de dollars affichés par GSK et Bill Gates pour le RTSS, son grand concurrent. Moi, je n'appelle pas ça concurrence, moi j'appelle ça de l'émulation. C'est comme si vous êtes vous travaillez pour un même objectif. Chacun veut être le premier à être au
point final, au terminus. Ça va? Ta mère n'a pas pleuré. Nous faisons des prélèvements pour voir la réponse immunitaire de l'organisme face à l'antigène qu'on vient de lui injecter. Nous voulons voir quel est le niveau de la réponse des anticorps. Les premiers essais ont démontré que le GMZ2 générait bien chez l'homme une production d'anticorps capable d'éliminer le parasite. En phase 2, désormais, les spécialistes en biochimie et en hématologie doivent collecter toutes les informations qui permettront aux chercheurs de déterminer l'efficacité et la durée de protection du vaccin. Il a plus de 5550 lymphocytes, avec 53%. À Banfora, près de 900 enfants sont suivis pendant 2 ans. Et comme pour tous les autres essais cliniques, toutes les affections sont traitées gratuitement, même si ce n'est pas un cas de paludisme. C'est de notre responsabilité en tant que chercheur. Puisque vous êtes sur un essai, vous ne savez pas si les maladies qui amèneront les patients sont liées à votre essai ou c'est des maladies liées à autre chose. Absence d'acting big que tu peux marquer que ce que tu as non. Je le sens ton pas ma ya bousser. Ton gars c'est mieux que moi. Tu comme ni son pas moi va ban beul ngir gir va c'est pas là. La blé un toc polio va. Corps le tima. Comme quand ce n'est et gars c'est mieux que moi. Tu bien ça son corps de ni polio va son ma. Quand toi comme ni c'est un pas beau de ni va ban beul ngir gir va c'est pas là. Au Burkina Faso, l'anthropologue Paul-André Sommet enquête dans les villages auprès des familles dont les enfants participent aux essais cliniques du RTSS. Il veut savoir si elles ont bien conscience des enjeux et des risques. Oui, tu aimes ça. Oui, ça fait. Ils comprennent que des gens sont venus pour les aider. Et moi, j'étais quand même assez surpris parce que moi, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que c'était ces femmes qui aidaient le programme, qui aidaient à faire avancer justement la science et tout ça, et qui étaient fiers de participer à un essai qui allait faciliter la vie à plein de monde en Afrique et ailleurs. Donc cette notion d'aide force toute la démarche. J'ai une petite question qui s'adresse à Joe Cohen. Dans votre première étude chez les volontaires, je pense que le vaccin RTSS a été utilisé avec plusieurs adjuvants. Mais j'ai remarqué qu'il y a d'autres adjuvants où l'efficacité était presque nulle. Donc ça me fait poser la question. Est-ce que le vaccin n'est pas très dépendant des adjuvants? Tu as tout à fait raison. Il a fallu aussi travailler sur l'augmentation de ces réponses immunitaires. Et nous l'avons fait en développant des systèmes d'adjuvants. C'est un autre composant du vaccin. Donc oui, les adjuvants sont très importants dans l'efficacité finale du vaccin. Pour RTSS, moi ça m'arrive de dire méchamment que le rôle est peut-être dû que à l'adjuvant et pas du tout à l'antigène parasitaire. Le véhicule, à mon avis, n'est pas bon. C'est-à-dire les molécules qui ont été choisies sont les premières rencontrées. C'est comme si vous disiez, je suis rentré à Paris et les deux premières personnes que j'ai rencontrées sont les plus importantes de la capitale. Ça vous fait sourire. Mais c'est exactement ce qu'on fait. Les deux premières molécules qu'on a identifiées dans le génome de Plasmodium sont devenues les plus importantes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est simplement celles qu'on connaît le mieux. Je n'aime pas parler des concurrents, mais je pense que Pierre a raison. En plus, il est démontré que l'efficacité ne dépasse pas 40 à 50%. C'est-à-dire la même chose que ce que nous avons obtenu il y a 25 ans. C'est pas du tout satisfaisant à ce stade, parce que, bon,
convenez avec moi qu'un vaccin qui protège à 50% est quand même largement en deçà donc, des attentes. L'autre chose, c'est qu'au-delà de 2 mois et demi, il n'y a pratiquement plus d'effet. D'ailleurs, dans le dernier papier, ils l'ont pratiquement, pour la première fois, avoué eux-mêmes, disant que la durée de l'effet était un problème énorme. Ça ne suffit pas, il faut que la durée soit plus longue. L'immunité pour un vaccin comme le vaccin antivariolique, c'est entre 10 ans et 15 ans, par exemple, c'est quand même autre chose. C'est tout simplement faux de penser qu'un seul produit ou un vaccin comme celui contre le paludisme va être la révolution qui change tout. En particulier parce que ce vaccin est efficace à 50% dans le meilleur des cas. Il sera juste une partie de la solution. Surtout éviter que les gens pensent que parce qu'ils sont vaccinés, ils n'ont plus besoin d'utiliser des moustiquaires, ils n'ont plus besoin de faire autre chose. Ça, ce sera le défi. Éviter qu'on relâche les autres interventions. Il ne reste plus que 2 mois avant l'annonce des résultats des essais du RTSS sur le groupe des nourrissons. Au siège du laboratoire GSK, à une vingtaine de kilomètres de Bruxelles, cette échéance est dans toutes les têtes. La tension monte. Le premier producteur de vaccins au monde se prépare déjà. Pour le grand public, le RTSS devrait s'appeler Mosquirix. Vers 2015, nous serons prêts à produire du RTSS à un volume de 30 millions de doses par an. Nous restons convaincus qu'un vaccin qui protège à 50% a le potentiel de sauver des centaines de milliers de vies tous les ans. S'il s'agit de vacciner avec la possibilité de sauver seulement 50% des personnes vaccinées, et qu'il faut le faire chaque année, le problème va être financier. À quel prix va sortir ce vaccin? Parce que si 100 000 enfants doivent mourir et que nous pouvons en sauver 50 000, il faudra le faire. Mais quel va être le coût? Pour un vaccin, comme pour un médicament, la question du prix est étroitement liée à celle des brevets, des droits de propriété intellectuelle. Un sujet très sensible qui a radicalement changé depuis l'époque du premier vaccin contre la poliomyélite. In this room is the man who made the vaccine, Jonas Salk. Well, Dr. Salk, who owns the patent on this vaccine? Well, the people, I would say, there is no patent. This is... Could you patent the sun? Les produits sous brevet sont souvent beaucoup plus chers que les autres, puisque le fabricant dispose d'un monopole d'exploitation et peut donc fixer le prix comme il le souhaite. En 1995, dans la lignée du docteur Salk, le Colombien Manuel Patarroyo avait décidé de céder le brevet de son vaccin antipaludique à l'OMS, à condition qu'elle s'engage à le vendre à prix coûtant dans les pays en développement si les essais cliniques aboutissaient. Yo estoy muy orgulloso y muy contento con el gesto. Yo el recuerdo que yo tengo de ese gesto fue el símbolo y el mensaje al mundo. Esto no puede quedarse en exclusividad. Esto pertenece al mundo entero, a la comunidad. Esto es un derecho del ciudadano, el acceso. El señor Gates puede estar haciendo maravillas y puede ser muy generoso, pero él jamás podrá ser una agencia multilateral pública independiente. Él está al servicio de sus intereses comerciales. Es una posición ética de absoluta convicción que lo que nosotros hagamos tiene que ir para la humanidad, claro. No para que se le abulten los bolsillos o el presidente de la compañía ande en 5 jets distintos, no. Le président de GSK, lui, n'a pas vraiment l'intention de céder le brevet de son RTSS ni de le vendre à prix coûtant s'il est un jour commercialisé. If we set a precedent of not for profit, we could inadvertently discourage others from doing research into malaria or other neglected tropical disease. We want to avoid that, but we want to be responsible too. That's why what we will do is set a price which covers our cost of manufacture and generate a small additional return. And when I say small, I mean 5%. ¿En qué siglo está este señor? Cuando la industria más rentable en el mundo industrializado está dando 1%. El crecimiento de Francia es menos de 1%. El señor se contentaría con un modesto
lucro de 5%. Ninguna empresa, ninguna industria, ni el automóvil, ni la financiera, ninguna está dando esto. Pour GSK, qui a réalisé en 2010, malgré la crise économique mondiale, un chiffre d'affaires de 32 milliards d'euros et un bénéfice de près de 2 milliards, l'opération RTSS pourrait s'avérer très rentable. Car il y a des millions de clients potentiels et des instruments de financement comme Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, un partenariat qui a créé un énorme marché pour les vaccins dans les pays pauvres, autrefois délaissé par les géants de l'industrie pharmaceutique parce que non solvable. La cible de Gavi, ce sont les 73 pays les plus pauvres. Depuis sa création, Gavi a vacciné plus de 300 millions d'enfants et a sauvé plus de 5 millions de vies. Nos objectifs d'ici à 2015 sont de vacciner 250 millions d'enfants supplémentaires. Notre conférence des donateurs en juin dernier a été un grand succès. Nous avons demandé 3,7 milliards de dollars et la communauté internationale a répondu à l'appel en nous donnant en fait 4,3 milliards de dollars. We will contribute 814 million pounds of new funding up to 2015. Nous avons eu un soutien très fort de nos bailleurs de fonds traditionnels, le Royaume-Uni, la Norvège, la plupart des pays de l'Union européenne et bien sûr les États-Unis, l'Australie, le Japon. Bien évidemment, si demain un vaccin contre le paludisme est efficace, il va y avoir des quantités et des quantités de fonds publics, qui seront utilisés. Et pas seulement des fonds de pays industrialisés, c'est absolument certain que beaucoup de pays en développement vont utiliser des fonds publics pour vacciner en masse la population. Dans un marché tellement énorme, tellement incroyable, on parle là de millions et de millions de personnes qu'il faudrait vacciner, c'est la poule aux œufs d'or. C'est en 2000 que l'Alliance Gavi a été créée, grâce à un certain Bill Gates, dont la fondation finance massivement la recherche vaccinale. Si le RTSS était un jour commercialisé, grâce à Gavi, il pourrait être largement acheté et distribué dans les pays pauvres. Let's talk a little bit about what you're trying to do, Bill Gates. Do you hope that this sort of initiative will be what you're remembered for? I don't care to be remembered at all. We're partnered with GSK on a malaria vaccine. So the advances in technology should not just be for the richest. In fact, we should tilt our work to help the poorest. I share Bill's view to a large degree. I think it's just public relations, isn't it? No, not at all. I think people expect in the West, whether you're in America or in Europe, people expect to see pharmaceutical industries contribute to societies who are less well off. Thank you all very much indeed. Thanks. Pour le patron de Microsoft comme pour celui de GSK, découvrir le premier vaccin antipaludique au monde serait une très bonne opération en termes d'image de marque auprès d'une opinion publique qui constitue également leurs clients et leurs actionnaires. Les chercheurs pensent eux aussi à leur image et sont souvent atteints par le syndrome du prix Nobel, même s'ils ne l'avouent jamais ouvertement. Très honnêtement, très sincèrement, je n'y pense pas. Je ne me considère pas comme un chercheur extraordinaire, mais quand je pense aux chercheurs qui ont reçu le prix Nobel, je suis très peu de choses. Eux, ce sont les lauréats du prix Nobel. Par exemple, Ronald Ross, qui a découvert le moustique qui transmet le paludisme, l'anopheles. Et aussi l'Aveyron, qui a découvert le parasite du paludisme. Ça ne m'obsède pas, vraiment pas. Si on me le donne, avec plaisir, et sinon, ça ne fait rien. Il faut laisser la décision aux membres du comité du prix Nobel. Je les respecte et je les aime beaucoup. Je pense que ça ferait du bien et que ça calmerait le jeu, si vous voulez, de ne pas attribuer le prix Nobel à la découverte d'un vaccin antipaludique. Ça éviterait des excès. Donc j'y pense encore moins que ça. 9 novembre 2012. La deuxième série des résultats du RTSS est enfin disponible. Mais cette fois, étrangement, ce n'est pas Bill Gates qui les annonce en grande pompe, c'est le docteur Salim Abdullah, le responsable des essais cliniques en Tanzanie, lors d'une simple conférence de presse téléphonique. Last year, we reported the results of RTSS.
candidate malaria vaccine in young children, efficacy against severe malaria was 47%. Today, we are reporting the results of RTSS vaccine given to infants. RTSS reduced severe malaria by 37%. Thank you, Dr. Abdullah. Our next speaker is Sir Andrew Whitty, CEO of GlaxoSmithKline. We would have liked to have seen higher efficacy than we've seen, of course. It's a little frustrating that we're seeing different levels of protection in different age groups. Frustré est le mot juste, mais vous savez, on peut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je le regarde à moitié plein. Oui, je pense qu'un jour, RTSS sera commercialisé et sera le premier vaccin antipaludique au monde. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites quand même au passage. Et le nouveau vaccin hépatite B sur lequel ils ont un nouveau brevet fait appel au même genre d'adjuvants de la même famille qui ont été développés à propos de RTSS. Si on veut pousser le raisonnement à l'extrême, on peut dire que Glaxo a très bien joué sa partie et a attiré l'argent de M. Gates pour développer des adjuvants sur lesquels ils ont des brevets. On pourrait, si on voulait, peut-être pousser jusque-là, ce qui serait très bien machiavélique, bien entendu. C'était certainement pas leur intention. Et l'intention était seulement de porter de l'aide aux populations africaines. C'est pas encore la fin de l'histoire.